The PR for the Horizon Festival has totally paid off. There will be a massive crowd at the dock to see your cars, so take it easy when you're coming off the ferry. When you reach the road, you can put your foot down. We'll head inland and rendezvous at the... Salut, ici Amy Simpson. Je vous parle depuis la plage de Castelletto. Je voudrais profiter de l'opportunité pour souhaiter la bienvenue de la part d'Horizon Pulse à tous les pilotes du festival qui viennent de débarquer du ferry. Certaines de ces voitures sont... Oh, je crois qu'il y avait la nouvelle là-bas. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, la Huracan. Et hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va bien. Alors, nous sommes été sur un, entre guillemets, une nouvelle partie. Alors, nous sommes sur un jeu qui s'appelle Forza Horizon 2. Vous allez me dire, oula, Forza Horizon, ça fait un petit peu longtemps qu'il est sorti. Oui, je sais. Mais nous sommes en démo, alors voilà, c'est juste une démo pour ce temps-là. Je le teste pour savoir si je ferai peut-être des parties ou quoi sur ce jeu, je sais pas encore. Je verrai bien, parce que c'est un bon jeu, hein. Y a rien à dire. Ah, lui m'a un peu bougé. Mais c'est un bon jeu. Regardez la nouvelle T20 devant. Ah ouais, c'est celle-là la T20. Vous me disiez et tout, bah regardez, c'est la T20 celle-là. Et elle ressemble trop à la T20, c'est un truc de ouf. Regardez. C'est bien la T20, hein. Bah de toute façon vous le verrez sûrement parce que je vais l'utiliser. Alors vous le verrez entre guillemets en partie, parce que on le jouera avec, et ça c'est assez cool. Ah, c'est une bonne partie quand même. Alors nous sommes avec la Lamborghini Huracan, ce qu'elle a dit. Oulalalalalala, on est un peu embrouillé tout. Ah, on peut rembobiner, ok, bon on va rembobiner. Freiner un peu. Salut, il paraît que ça commence à s'agiter du festival. La Lamborghini Huracan, elle est tellement stylée. Je sais pas vous, mais elle est tellement trop stylée. C'est un truc de ouf. Avec le GPS et tout. Oh là là. Oula. Ça c'est la Turismo, normalement elle ressemble à la Turismo R. Oh, oh putain. Ah, elle a un bon freinage par contre. La meuf qui dit tourner à gauche. Ah non, là-bas, la Turismo R. Là-bas, merde. Regardez. Elle est là, elle est juste devant. Ah, elle ressemble à peu près à la Turismo R, hein, presque. Elle y ressemble, mais un petit peu le devant y ressemble. Regardez, voilà, le devant. Alors j'espère que vous voyez bien. Hein. Bah, vous avez l'air de bien le voir, de toute façon. Oh, il fait noir, ça c'est un bon jeu. Je crois que je vais l'acheter, c'est un bon jeu. Oh putain, on va rembobiner. J'ai trop fait un peu le show. Ah bah regardez, elle est là, la T20. Ouais, elle est devant moi. Oh, elle est belle. Oh, elle est stylée. Elle est stylée. Elle est trop stylée. Ah, je l'ai poussée. Désolé. Ah, elle est trop stylée. Trop stylée. Bon, j'espère que je vais pas avoir problème pour les musiques. Alors. Ok, bon. Elle me dit faites demi-tour. Alors, j'ai pris la voiture là. Oh, elle est stylée. Hein. On va freiner un peu parce que. Bon, on va se remettre. Allez, c'est parti. Alors, on va faire vite fait. Tourne à la droite. Ok, je tourne à la droite. On va vite fait faire une petite partie, vous allez voir. Alors là, on est sur la ville. Hein. C'est assez cool. C'est bien parce que, en fait, c'est un jeu de voiture. Mais entre guillemets, vous pouvez rouler comme ça. Et ça, c'est parfait. C'est un truc de ouf. Et voilà, Forza Horizon 2, je crois que je vais tout l'acheter. Je sais pas. En plus, c'est que sur Xbox, c'est pas sur PS3, je crois. C'est un petit peu dommage. Parce qu'il est assez stylé.
C'est vraiment con qu'ils n'ont pas fait sur PS3 parce que c'est un jeu stylé. Il y en a plus, vous avez le truc qui vous dit tournez à gauche. C'est un bon jeu ça. Oh putain, hey, je vous jure, je vais m'éclater sur le jeu. À 200 mètres, tournez à droite. Ça c'est bien ça, c'est un truc de ouf. Alors on va arriver vite fait au point, je vais vous vite fait couper ça. Ah bah on est déjà arrivé, mais bon, je vais vous couper ça. Alors entre guillemets dans le jeu, qu'est-ce que c'est? Alors Forza Horizon 2, vous avez plusieurs trucs. Là, je vais être avec la... Ah, c'est, regardez, lisez bien, c'est la MC l'arène, hein, je crois. De toute façon, vous allez le voir au-dessus. Et c'est la T20 les gens, et oui, je roule avec la T20. Alors c'est laquelle? Attendez, normalement vous avez la voiture, non? Même pas, non, je sais même pas où la voiture. Je sais pas si vous entendez, mais le son de la voiture, les gens... Oh putain, elle roule hyper vite, regardez. Quand je roule vite. Ah, c'est pas comme... Ouh, attends, on va enlever ça. C'est pas comme la T20. C'est du tout pas comme la T20, regardez. C'est du tout pas comme la T20, elle est un petit peu plus grande en profondeur, en plus grande, en hauteur, l'aileron. Ah, il faut faire un flash de kilomètre-heure. Oh... Ah, c'est chaud, en plus elle est trop chaude à rouler avec. Alors je peux rouler que avec la T20 pour ce... Bah quoi, je peux pas rouler que avec la T20, mais je peux rouler entre guillemets... Ah, voilà, c'est... Je peux rouler entre guillemets... que avec vite fait la T20 parce que je dois faire une petite partie comme ça, mais sinon je peux pas rouler longtemps. Regardez, c'est la MC l'arène P1. Alors n'oubliez pas ce nom là. En plus il fait noir les gens. Ah, c'est horrible. C'est noir. Bah, on va faire une petite partie les gens avec elle. Attendez. On va juste voir la carte. Et on va se mettre un point ici. On peut pas. Ah non, on peut pas. On est obligé de jouer. Bon, ça. On va faire une petite partie avec. Ouais, je sais. Et regardez la voiture. Putain, les gens. Oh là là, c'est un truc de ouf. La Téva. Oh putain, elle m'a freiné direct. Maintenant que tu le remarques, merde, je l'ai un peu cassé. Putain, vous imaginez la voiture, les gens? Elle tue! Elle tue la voiture. Elle a une bonne stabilité encore, mais pas assez parce qu'elle drift beaucoup. Aïe! Je fais un peu des erreurs hein. Mais elle est stylée, comme tes mains. J'ai reconnu direct, c'est le devant et l'arrière. Je me suis dit, non, c'est la T20. Bah, regardez, vous imaginez pas comment elle est. Elle a beaucoup changé, elle est pas. Ça, je vous dis, sur GTA, ils vont pas mettre des voitures à peu près ressemblantes. À presque ressemblantes, mais pas au mien. Un petit drift que j'ai fait. Ça, je vous dis, ils vont pas faire des jeux ressemblants. Ça sert strictement à rien. C'est pour ça que moi, je vous dis. À chaque fois, ne dites pas qu'elle ressemble à une voiture, mais. Bah, elle ressemble, mais pas voilà quoi. C'est pas. Ils vont pas faire esprit de faire ça quoi. Mais comment elle ressemble à la T1, c'est un truc de ouf. Moi je trouve qu'elle est stylée. Ouais, ouais, je peux le faire du sens là. Oh putain. Oh, elle a drifté là. Non, j'ai perdu de la longueur. Allez! Ah, 140. 12 km. J'ai fait 12 km. Alors là, on est avec un Ranger Rover, je crois que c'est ça. Je sais plus le nom, c'est quoi, attendez. Je crois que ouais, c'est un Ranger Rover, je crois. Ouais, je sais plus. Mais là, c'est assez stylé, comme 4x4. Alors on va rouler un peu avec pour la fin. Il y avait soit une Subaru, soit ça, ou une autre, encore deux autres voitures. La verte que j'avais, et puis une autre. Mais je préférais rouler avec le Ranger Rover, voir qu'est-ce qu'il y avait, parce qu'il était un petit peu plus rapide que la Subaru. Alors on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Juste pour la fin, les gens. Oh, 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 le drift. Mais je fais des trucs de ouf. Oh, une BM. 4x4 BM à côté. Wow. Merde, ça, c'était pas prévu. En plus, il m'a poussé, le mec, quoi.
Allez, hop, oh là là, j'arrive dans la place. Hop, on dépasse la. Le... Regardez, oh là, la Michu... Non, c'est la Nissan GT-R là, et la Mitsubishi qu'il y avait là. À côté, il y avait une Mitsubishi, et là, c'est la. La Nissan Skyline, je crois. Ouais, c'est la Nissan Skyline. Et devant, je sais pas c'est quoi, je crois que c'est une Ford. Ouais, je crois que c'est une Ford, je crois. Et là-bas, c'est une Subaru ou une Mitsubishi. C'est un des deux. Ah, moi, les jeux de voiture, les gens, j'aime ça. C'est un truc de ouf. Ah non, je crois que c'est même pas une Ford. Je crois que si, attendez. Parce que je vois pas devant. Ah non, c'est même pas une Ford, c'est une. Ah. Je sais plus c'est quoi. Ah là, c'est une Subaru. Ouais, j'avais raison, c'était une Subaru. Subaru, c'est bien comme voiture. Elle a une bonne stabilité. Mais ça va, le 4x4 quand même, elle a une bonne stabilité quand même. Hein. C'est une bonne. Oh putain, le saut que j'ai fait. C'est une bonne. Le drift. Oh là là, mais. Hey. Je vous jure, c'est pas comme Forza Motorsport 6 là, c'est pas du tout pareil. Par contre, le freinage, y a pas ça. Hein. Le freinage, y a pas. Par contre, je sais pas, j'ai vraiment vu que j'étais cassé un peu. Enfin, je sais pas. Par contre, ouais, le freinage, y a pas du tout de freinage. Eh, mais les gens, je vous dis, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Je vous dis pas, mais c'est pas du tout comme Forza Motorsport 6. Hein, là, c'est vraiment le jeu Forza Horizon 2, c'est pas pareil. C'est vraiment un jeu où. Ah, c'est un truc stylé. Pour moi, c'est un truc stylé. C'est bien qu'ils ont fait ça, quoi. Allez, c'est la fin. Un petit drift. Wouhou! La fin, vous avez vu mon drift, là? Quel talent. Et une victoire de plus. Ouais, c'est ça que j'avais bien dit. Une Subaru. Ah, c'est une Changer 12. Changer 12. Nissan GT-R. C'est une Nissan Skyline, quoi. Une BM, une Mercedes, il y avait aussi une Audi et une Laser Evo. Ok, ok, ok. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de likes. Et moi, je vous dis, voilà, avec cette fin, avec le Ranger Rover là. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'était une vidéo entre guillemets pour une course. Voilà, c'était. On fait les courses aujourd'hui. Voilà, mais non, c'est un truc stylé. En plus, on est niveau 10. Mais je sais même pas pourquoi, mais je sais pas. C'est vraiment bizarre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus les potos pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde. Allez. Ah putain. Vous voulez affronter votre rival? Bon, je sais pas quoi, mais bon. Bon, allez, moi, je vous dis à plus les potos. Et bye à tout le monde.